Ce projet de code marque une évolution doctrinale qui épouse la pensée du président de la République dans les domaines de la défense, de la sécurité et de l'accomplissement social de l'être humain. Pour le ministre chargé de la Défense, ce code est le dernier maillon de la réforme du secteur de la sécurité. Le nouveau code, la fonction militaire devra contribuer à restaurer l'image de l'armée, renforcer la discipline et la cohésion en son sein, consolider le lien entre elle et les populations. Le militaire devra éviter de prendre part aux jeux et aux débats politiques afin d'éviter de prendre en otage la population et les institutions de la République. Le code de la fonction militaire et du service civique révisé, présenté au ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi. Il est bâti sur trois piliers, à savoir le statut général des militaires, la réserve des forces armées et le service national. Ce nouveau code permet désormais aux militaires d'exercer des activités lucratives seulement à titre accessoire si elles sont compatibles à la fonction militaire. Il permet également la prise en compte des enfants mineurs des militaires décédés, accidentés ou grands malades. Au titre de la gestion des carrières, le nouveau code offre la possibilité aux officiers sous contrat de changer de corps d'armée. Le nouveau projet de code de la fonction militaire et du service civique a été rédigé par un comité composé de 25 personnes, présidé par le général à la retraite Mathias Douy.